Salut, les bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve à la salle pour un parcours en Fadio. Ça fait longtemps. Et disons. Pourquoi vous l'avez suivi? Qui? Il faut aller où là? Je comprends pas. Bah, en dessous. Dans les petits trous. Ah ouais, c'est en taux sec. Hein. Même pas, je te jure, j'ai même pas en taux. Alors, parcours en Fadio créé par une fille, la salle. Ah ouais, ouais. C'est pas mal ça. Et donc ça fait d'elle un ça fait d'elle une créatrice. Un être, non binaire ou je sais pas parce que bah, ça change quoi que ce soit une fille. Bah ça change que ça fait plaisir qu'il y ait une fille qui crée des parcours, voilà. Parce que c'est ouais, mais ça change quoi, je veux dire bah, on est rien. Tous des humains. Hein. C'est elle est assez inhumaine comme nous, mais tu vois, j'aime bien quand les filles créent des parcours parce qu'elles sont rares et il y a très ouais, mais peu pourquoi de créatrices. préciser que c'est une fille, je veux dire quelque part c'est de la discrimination. Non mais ils sont pas relous les gens qui te font ça. Ouais, dans les commentaires, j'en ai beaucoup des gens comme ça. Non, ah, parce ils que sont relous à mort. Bah, c'est une fille, basta, qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Ouais, voilà, c'est juste que ça fait plaisir parce que les créatrices. Bah ouais, voilà, et non mais. Non, mais... Il faut qu'il y en ait qui. Et non, moi là, ça, j'avais une petite question à te poser aujourd'hui. Yes, m'appelle comment? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu ton avis et je voulais avoir ton avis sur GTA 5 PS5. Je voulais avoir ton avis sur les menus. Surtout, bon, je sais qu'il y a ta vidéo comparaison qui va sortir bientôt là, peut-être dimanche, peut-être lundi, on sait pas encore. Mais j'aimerais ton avis, savoir déjà une petite note sur 10 pour commencer. Et, hein? et qu'est-ce que tu pensais des nouveaux menus? Est-ce que tu penses que c'est un développement? Est-ce que comment tu vois l'avenir de Rockstar, quoi, disons, en tant que joueur depuis maintenant. Ça fait combien de temps, la salle? Bah, l'avenir de Rockstar, déjà, je ne le vois pas aussi dominant que par le passé. Ils ont dominé le game pendant longtemps, et c'est vrai que c'était incroyable, d'ailleurs. Mais ils se sont fait humilier par, bah, par les nouveaux jeux quoi, qui sortent, et qui, eux, ne perdent pas de temps. Et, Fortnite, par exemple. J'ai l'impression. Ouais, par exemple Fortnite, même les jeux ne perdent pas de temps, tu vois, genre FIFA c'est tous les ans, Call of c'est tous les ans, Fortnite ils font v'là les mises à jour, tu vois, les gens, les autres jeux ne perdent pas de temps, quoi. Là c'est où vrai. Rockstar, ils se reposent et que ils ont pas compris en fait que maintenant tout allait vite, tu vois, eux ils ont pris l'habitude par le passé d'être lent et ça posait pas problème, mais maintenant tout va vite et faut s'adapter, donc faut qu'ils aillent vite aussi. Bah, c'est vrai que quand on regarde Fortnite, par exemple, c'est une mise à jour un peu. Je sais pas, c'est tous les combien de temps leur mise à jour? C'est toutes les 2 semaines ou 1 mois, je crois, un truc comme ça. Bah, avant c'était comme ça. Hein. Avant, je crois qu'en 2013, non, ça c'était une mise à jour non. Tous les 2 mois, non? C'était tous les 2 mois, voire max 3 mois au début. Voilà. Et là, ouais, en c'était tous les l'occurrence, 2 mois. C'est tous les 6 mois maintenant. Je sais pas si vous vous rendez Ouais. compte. C'est 2 DLC par an depuis 3 ans, non? À peu près. Je crois. Ça fait Ouais. 3 ans que c'est comme Ouais, ça, à peu c'est près. ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage. Et même, je trouve qu'aussi, un truc dommage aussi, c'est que Rockstar, bon, ils travaillent pas avec les influenceurs, tu vois, les youtubeurs et tout. Et moi, je serais Rockstar, bah, j'aurais mis aussi un concept un peu comme Fortnite, de skin, tu vois. Tu sais, par exemple, là, Ouais. actuellement, je roule avec le masque de Pogo. Mmh. Tu vois, le masque, la tenue de Pogo. C'est magnifique, quand elle est sortie, elle était incroyable. Tu sais, la sortie cosmonaute, les skins comme ça. Et bah, je trouve qu'ils devraient faire des skins comme ça. Et tu sais, faire une petite boutique, tu vois, comme Fortnite, tu vois. Bouton où Mais ils ont sorti GTA Plus, mais. Tu vois, je sais ouais. pas. Et Moi, ça, ouais. faire un truc comme ça, où quand le créateur, il m'a. Enfin, quand les gens mettent ton code, tu vois, comme Fortnite en fait. Et même pour les joueurs et tout, tu sais, faire des skins, enfin, avoir des skins stylés de GTA, je sais pas moi, des tenues. Des skins, Ouais, mais ils quoi, tu sont en vois. retard, en fait. Ouais, mais ils sont en retard. En fait, ils nous font toujours des trucs, mais quand on n'en a plus besoin. Alors qu'à l'époque où on le demande, ils ne le mettent pas. Ils sont toujours en retard. C'est vrai. Parce que sortir des véhicules tout le temps, c'est bien. Mais au bout d'un moment, voilà, tu vois, on va présenter le véhicule, on va kiffer le véhicule et puis c'est tout, tu vois. Alors que là, faire un truc, faire un mode, je sais pas moi, ils auraient pu sortir un mode Battle Royale, ils auraient pu. Enfin, je sais pas. On voulait les animaux en ligne. Bon, on les a toujours pas. Le jour où ils vont les mettre, ben, ça sera beaucoup moins intéressant parce qu'on les voudra plus. Enfin, la hype, elle sera passée, quoi, des animaux en ligne. Donc, ça y est, on n'en veut plus trop. Ça va juste être bien pendant un jour ou deux, puis on va les oublier parce que c'est plus le moment. Et en fait, ils sont toujours en retard.
Ouais, ça aussi, ouais, c'est vrai. Ça aussi. Mais voilà, après, bon, en soi, le nouveau GTA V est magnifique. Il y a vraiment eu une amélioration quand même, la salle. Bah oui. Sur les menus et tout, c'est magnifique, tu vois. Mais justement, le nouveau GTA est magnifique, mais on l'attendait il y a longtemps, pas maintenant. Bah, ils ont pris Et combien de temps de retard? 6 mois, je crois. moi, je dirais un an, mais ouais. Bref, beaucoup de retard en tout cas. Beaucoup de retard, effectivement. Donc c'est dommage. Après voilà, hein, bon, on peut comprendre aussi qu'ils veulent faire les choses bien et tout, Et puis, mais... on nous faisait des beaux braquages à l'époque. Maintenant, quand ils sortent un braquage, il est beaucoup moins bien qu'avant. C'est C'est vrai. comment ça se fait, tu vois? Aussi. Normalement, avec le temps, tu fais un braquage de fou. Maintenant qu'ils sont entraînés, qu'ils savent comment faire, etc., ils sont censés nous faire des Et braquages une autre question, incroyables. la salle. Le... Ouais, j'ai fini d'ailleurs. Ouais, j'ai fini. Le dernier DLC de Dr. Dre. On est d'accord que c'est un échec total. C'est Total. Pour ma part, dégueulasse. total. Ah oui, pour ma part, j'ai pas kiffé, Bah, quoi. pour ma Vraiment pas. part, vraiment, on a eu des DLC. On a eu des mises à jour. Mais pour moi, le DLC là, c'est vraiment le pire DLC C'est un des pires, ouais. que... Je préfère encore les tout premiers, genre qui sont sortis au tout début que ça. Bah oui, mais largement, mais Même le rien à DLC voir. plage, il était un million Mais de fois le mieux. meilleur, pour moi, c'est la sortie de prison, là. Tu sais, le braquage à la prison. Ah ouais, ça c'était Oh, un il était truc de magnifique, fou. quoi. J'étais prison dans la prison et tout, machin. Et là, bah, on attend des braquages, on attend des trucs sur PS5 et tout. On attend, enfin, voilà, tu vois. Là, ils font quoi? Ils sortent un DLC. Et au lieu que ça soit une bouteille de vin ou de je sais plus quoi, là, de whisky que tu voles, c'est un collier en rubis. Enfin, je veux dire, c'est, tu sais... Après, je peux conclure. Ouais. Enfin, conclure, donner ma conclusion plutôt. Ouais, et après tu peux noter aussi une note sur 10, hein, sur GTA 5 PS5. Moi personnellement, je mettrais Non, mais moi, tu peux pas me 8,5. demander de faire ça. 8,5 Moi, sur tu peux pas 10. me dire de faire ça. Moi, je vais mettre 10 sur 10. C'est GTA. Mais je vais quand même donner ma conclusion, parce que du coup, tu m'as perturbé là. Putain, j'ai oublié ma conclusion à cause de toi. Ma conclusion, c'était que par rapport à ta question, Ouais. c'était quoi ta question déjà? Bah, qu'est-ce que tu penses de GTA et de Rockstar, quoi? Ouais, qu'est-ce que tu penses? Eh ben, je pense que c'est le meilleur jeu du monde, mais C'est vrai que c'est le meilleur jeu du monde. Y a aucun jeu qui est le niveau-là. Voilà, mais il faut que Rockstar se bouge là. Il faut qu'il se bouge pour mettre des DLC, des améliorations, des trucs. Là, c'est trop lent là. C'est vraiment trop lent. C'est vrai. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens que je croise dans la rue, beaucoup d'abonnés. Et wow, c'est trop d'ailleurs, il y a trop d'abonnés. Ils me disent, mais quand est-ce que GTA 6 va sortir, quoi? Il y en a carrément, ils me Ah, ma disent, je vais... conclusion. Ouais. C'est bon, je l'ai. Ma conclusion, c'est que Rockstar, ils en ont littéralement rien à foutre de ton avis. Et ils continueront à faire ce qu'ils veulent, donc voilà, on s'en fout. Ah oui, ça c'est vrai, mais bon, moi je voulais modeler mon petit avis pour les gens qui nous regardent. En tout cas, sachez que GTA 6, il y en a beaucoup qui me posent la question sur les lives et tout, des fois dans le chat ou dans les commentaires. Et les gars, ce sera minimum 2024, hein, si ce n'est plus. Bah oui, parce Enfin. qu'il faut des consoles nouvelle génération et on sait même pas si la PS5 actuelle, elle est suffisamment puissante pour GTA 6. Donc peut-être qu'il faut une PS5 Pro. Donc On verra bien. ouais, c'est compliqué. On verra bien. En tout cas, GTA 5 PS5, ça le supporte en 30 Après, FPS. il pourrait le sortir sur PC d'abord, tu vois, mais Non, impossible. Mais ce serait je pas. pense que quand même la PS5, elle peut tenir. Il y a moyen. Après, je sais pas, ça dépend. Mais Il peut faire une version pourrie sur PS5 et une version améliorée sur PC, hein, par exemple, comme ils l'ont fait avec ouais, mais les gens GTA qui sont sur 5. PS4, regarde. Les PS5, ils en ont vendu, mais nous, déjà dans le Discord. On est 10 à avoir la PS5, ils sont Non, mais 40 à avoir la déjà, PS4, tu vois. voilà, déjà, tant que tout le monde ne sera pas fourni en PS5, il n'y a pas de GTA 6, ça faut pas rêver. Voilà, donc faut attendre 3 ans, à peu près. Parce que même s'ils le sortent, sachez qu'il y a toujours eu un an de retard. Red Dead Redemption, un an de retard. GTA 5, un an de retard. Donc là, ils l'ont annoncé là, qu'ils le développaient seulement. Donc voilà. Pas qu'ils le développaient seulement, je crois qu'ils ont dit qu'ils le développaient depuis un moment. Ouais, depuis un moment. Depuis un moment.
mais ça veut dire qu'il est peut-être en bêta ou en alpha, je sais pas. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Ou en oméga 3. En beurre. Poisson d'avril.